La collection de livres anciens de l'Université de Sherbrooke cache de véritables trésors, comme cette édition des œuvres de Virgile, imprimée à Venise en 1499. On a des ouvrages, des incunables, qui datent du 15e siècle. Donc, ces ouvrages-là ont été composés, ont été imprimés avant même que Jacques Cartier arrive. Les incunables, c'est grosso modo les 50 premières années de l'imprimerie. Ce qui était particulier à l'époque, on en parle dans le catalogue, dans la notice, c'est que les reliures coûtaient très cher à faire. Donc, on avait pris l'habitude de récupérer des vieux manuscrits, les plier, ce qui traînait un peu dans l'atelier, pour protéger le livre. Mais avec le temps, les manuscrits aujourd'hui sont presque plus précieux, à la limite plus rares que les ouvrages qu'ils protégeaient à l'origine. L'exposition présentée à la Bibliothèque Roger Maltais ainsi qu'à la Bibliothèque de droit montre une trentaine des quelques 300 livres anciens antérieurs à 1800 que possède l'Université de Sherbrooke. Entre autres, la collection ici des dictionnaires, qui est vraiment une particularité, puisque non seulement on a presque tous les grands dictionnaires de la fin du 17e siècle jusqu'à l'encyclopédie, donc milieu à peu près du 18e, mais on en possède plusieurs éditions. Des dictionnaires et des encyclopédies dont l'iconographie, fascinante à l'époque, est parfois étonnante de nos jours. C'est surtout que les volumes de planches ont vraiment participé au succès de l'encyclopédie. Bon, déjà, celle-là est particulière, c'est une planche d'anatomie. On voit que le squelette a une émotion et une posture. On ne les imaginait pas détachés de leur environnement. Ici, le squelette a une pelle, puis bon, on voit que c'est un peu le squelette d'un paysan. On trouve aussi des livres traitant de philosophie, des pièces de théâtre, des almanachs qui deviennent des recueils mondains, puis certains ouvrages qui témoignent de la vie au Nouveau Monde. On a quand même une très belle collection d'ouvrages d'auteurs du 18e siècle qui ont été les pionniers dans la description géographique, mais aussi de l'histoire de la Nouvelle-France et du Canada, des mœurs des anciens habitants. L'inventaire des livres anciens de l'Université de Sherbrooke a été réalisé dans le cadre d'un projet plus vaste de Bibliothèque et Archives nationales du Québec au cours des trois dernières années. Le service des bibliothèques et archives est ravi de dévoiler au public cette part méconnue de sa collection. Au niveau de la diffusion, plusieurs de ces livres-là peuvent être numérisés, donc on a accès au contenu. Mais avoir accès au contenu en format numérique, puis voir un livre de 1600 mangé par les vers, bien, c'est pas le même rapport au document, et c'est ça qu'on veut faire ressortir. Puis aussi, bien, je pense que les chercheurs, nos jeunes étudiants qui vont être dans ces branches-là, sachant qu'on a ce genre de collection-là, bien, moi, je pense que ça va amener un certain intérêt. Sur le plan peut-être plus anecdotique, je dirais à la limite personnelle, on possède la série complète de 50 volumes de l'histoire de l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres avec les mémoires de littérature. Moi, ça faisait des années que je cherchais un texte qui était dans un de ces volumes pour mes recherches. Et j'étais sur le point de me rendre aux États-Unis pour aller dans une bibliothèque pour le consulter avant de découvrir finalement que l'ouvrage était disponible ici. On est, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, la seule université qui possède la série complète des 50 volumes. Si la collection de livres anciens est aujourd'hui mieux connue, le chemin parcouru par plusieurs de ces documents avant d'arriver à Sherbrooke soulève encore bien des questions.